Mordechai, dis-moi un peu, pourquoi est-ce que cette année tu es venu à Oman pour Rosh Hashanah, malgré la situation ? Eh bien, je suis venu, Baruch Hashem, comme toutes les autres années, même si c'est vrai que cette année c'est un peu spécial. Et quoique sur le terrain, ce n'est pas spécialement spécial, même sur le chemin, on a vraiment pas senti. Si on n'avait pas dit qu'il y avait une guerre, on n'aurait pas su qu'il y avait une guerre. Mais je suis venu parce que Rabbi Nachman, il a promis que son Rosh Hashanah, c'était le monde entier dépendait de son Rosh Hashanah, et que c'est la source, la bracha pour nous et notre famille pour toute l'année, et que le monde entier dépend de son Rosh Hashanah, et que c'est normal qu'il y ait des obstacles pour une chose comme ça. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau danger, on est très très loin de la guerre. La guerre, elle a plus de 1000 km. Et donc, on n'a pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun danger, on ne ressent rien, aucune angoisse. Et voilà, je pense que c'est très très bien d'être là. Il y a une joie extraordinaire, des danses, de la musique, des prières jour et nuit. Il y a déjà un très beau kibbutz, comme il a dit Rabbi Nachman. Les gens, ils vont envier la veille de votre Rosh Hashanah. Que le Rosh Hashanah soit comme la veille de notre Rosh Hashanah. Moi, je peux vous dire que déjà, même maintenant, 10 jours avant, c'est vraiment une ambiance extraordinaire. On croirait que c'est Rosh Hashanah. Donc, n'ayez pas peur, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur, parce qu'il n'y a rien du tout.